Psaume 119, 9. Non, c'est pas ta parole, est-tu long? Psaume 119, 9, il est dit: comment le jeune homme rendra-t-il son, c'est-à-dire pur son sentier? Point d'interrogation. C'est la question qu'on vous pose là actuellement. Comment vous allez faire pour atteindre la perfection? Comment vous allez faire pour rendre votre marche, vos sentiers purs? Point d'interrogation. C'est la question qui a été posée ici dans Psaume 119, au verset 9. Comment le jeune homme, y compris la jeune femme, rendra-t-il pur son sentier? Point d'interrogation. En se dirigeant d'après ta parole. C'est ça le secret. Donc, pour être pur, c'est la parole qui doit vous purifier. Ce n'est pas les sissongos qui vont vous purifier. Ce n'est pas en faisant le fambla ou des incantations qui vont vous purifier. Ce n'est pas aller plonger dans l'eau du Jourdain là, actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est en Allemagne, vu que Koudouman a absorbé la puissance du Jourdain. Comment on devient pur? C'est la parole qui vous purifie.